Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, hein, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai décidé de prendre de nouveaux jeux, hein, comme il y a 2 jours c'était l'équinoxe d'automne. Je vous les ai mis ici que vous les voyez bien. Hein, comme ça, s'ils vous plaisent, vous pouvez les repérer. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Donc, on a la très belle carte de l'étoile. Alors, l'étoile, ce mois-ci, elle vous conseille de faire régner la sérénité et l'harmonie autour de vous, d'exploiter la créativité. Vous avez beaucoup, comment dire, vous avez beaucoup de talents. Hein, l'étoile a des talents artistiques. Hein, vous avez la possibilité de créer, que ce soit par la couture, par les bijoux, par la peinture, par la décoration. C'est un bon mois en tout cas pour essayer, ou en tout cas, si vous avez une idée, allez-y, lancez-vous. De faire confiance en sa bonne étoile, bien sûr, elle est là pour vous guider, pour vous protéger, de croire en la chance, hein, parce que c'est une carte également de chance, de providence. On vient vous donner un petit coup de pouce. Et puis on garde espoir en toutes circonstances, hein, surtout on ne baisse pas les bras et on évite la nonchalance et la naïveté. Alors c'est généralement l'étoile, elle représente la paix, la tranquillité, l'harmonie et la sérénité. Et c'est ce que vous allez avoir besoin ce mois-ci. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve la mère nature qui correspond donc à l'impératrice. Donc ça parle de relations épanouissantes et harmonieuses, de sérénité conjugale. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur de vivre. Les sentiments sont sincères et exprimés avec douceur et gentillesse. Les espoirs sont comblés pour ceux qui veulent être maman. Hein, il y a peut-être une grossesse en route, une naissance, pourquoi pas, qui peut être annoncée. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées, hein, donc c'est un bon mois également pour développer votre créativité et puis d'apporter de la fantaisie dans votre vie de tous les jours, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, mettez-y de la fantaisie, il faut casser la routine. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de rencontres, ça peut être beaucoup d'invitations, il y a des sorties. Hein, ici, on prend plaisir à s'occuper de son foyer, de sa maison, de s'occuper de la décoration, de passer du temps avec sa famille, de passer du temps avec les enfants, de s'amuser avec eux. Il y a des projets de partir en vacances, en tout cas, il y a des loisirs. Hein, voilà, l'impératrice est une mère dévouée à ses enfants, à son mari également. Hein, donc, un bon mois pour s'occuper ici de concocter un foyer. Confortable, douillet. Avec la carte de Béline, on retrouve la carte de la paix. Donc vous voyez, ce mois-ci, c'est une carte où s'il y a quelques disputes, quelques conflits, en tout cas s'il y a eu quelques brouilles, on va enterrer la hache de guerre et on va au contraire ici planifier, conseiller plutôt la paix, la tranquillité. Hein, on recherche le calme, on a envie de relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles, loin des conflits. Voilà, on s'éloigne un petit peu, hein, on a besoin plutôt de calme, de relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus agréables. Au niveau professionnel, on retrouve le liard, donc qui correspond au diable. Hein. Donc le diable, lui, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie d'y arriver, qui va tout faire pour arriver à ses fins. Hein. C'est quelqu'un qui est rusé, qui est malin, intelligent. Hein. Donc c'est le moment ici de vous investir peut-être dans votre vie professionnelle. Vous avez envie de gravir les échelons, de monter en grade. Vous avez envie d'y arriver, en tout cas, vous ne regardez pas les heures que vous allez passer au boulot. Hein. Donc ici, on a tellement envie d'y arriver qu'on pourrait attirer à soi les critiques, les médisances, la jalousie. Hein. Donc il peut avoir un peu une période un petit peu malsaine au boulot. Hein. Donc on se méfie, on va faire attention. Et puis, on est entouré de la carte de l'étoile. Donc, ça nous parle de chance, de satisfaction professionnelle. On arrive à ses fins, on arrive à obtenir ce que l'on veut.
on arrive à obtenir un poste, un nouvel échelon, un nouveau grade. Ça peut être des revenus assez importants, une augmentation de salaire, pourquoi pas, hein. Donc là, avec l'étoile, l'action est tempérée, hein. On retrouve ici plus de calme, plus de tranquillité. Autant on a une énergie débordante avec la carte du diable, autant avec l'étoile, on va canaliser cette énergie, hein. On va retrouver ici peut-être des liens. On va essayer en tout cas de apaiser s'il y a un peu une tension avec vos collègues. Avec l'étoile, on va revenir ici à plus de calme, à plus de tranquillité. On va revenir vers des relations beaucoup plus sereines. On va venir apaiser cette tension, hein. On recherche en tout cas de l'apaisement. C'est une carte de chance, de providence, donc il y a des opportunités à saisir et vous allez savoir les saisir avec la carte du diable, hein. On y arrive ici et puis on va essayer de donc canaliser ses énergies, son action. Et puis on fait confiance ici à sa bonne étoile, hein. Elle est là pour vous guider, pour vous indiquer que la direction que vous avez prise, c'est la bonne, vous êtes dans la bonne voie, hein. Donc continuez comme ça, hein. Il y a le facteur chance qui va intervenir également pour vous aider, hein, pour vous donner un petit coup de pouce. Donc si vous cherchez un travail, c'est le moment, hein, voilà. Et puis peut-être que vous avez envie également de vous diriger vers un travail plus en lien avec la nature, pour ceux qui veulent travailler dans les eaux et forêts, par exemple. On peut s'intéresser à la nature, aux plantes, s'intéresser, ou en tout cas, passer son temps, trouver à côté de son travail une activité, une occupation en lien avec la nature. Hein, on pourrait, pourquoi pas, apprendre l'aromathérapie, la lithothérapie, tous les huiles essentielles, tout ce qui est en lien avec la nature, hein. On pourrait aussi trouver des activités comme ça en dehors du travail. Donc avec la carte du Béline, ici, on a la carte de la nativité, donc qui nous annonce un nouveau départ. On commence ici une nouvelle activité professionnelle, hein. Ici, vous recevez peut-être un coup de fil, un message, une lettre. Ça peut être un entretien également, hein, que vous allez savoir mener, hein. On va voir que vous êtes capable de prendre des responsabilités, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez confiance en vous, que vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de compétences et vous allez savoir les mettre en avant. Donc tout ça ici, ça vous annonce des récompenses, hein. Donc il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle activité, il y a un très bon début, hein. Donc si vous avez un projet, quel qu'il soit, c'est le moment de se lancer. En plus, vous avez la planète du Soleil qui vous annonce la réussite et le succès dans vos entreprises. Au niveau financier, maintenant, on a l'arcane sans nom. Alors, généralement, l'arcane sans nom, ici, comme le loup, ça annonce ici des pertes financières. Ça peut représenter la fin d'une allocation, par exemple. Il peut y avoir une crise au sein de vos finances. Il y a des factures qui sont imprévues, qui sont peut-être un peu lourdes à porter. Ça représente des pertes, bien sûr, hein, une crise financière. C'est la fin d'une rentrée d'argent également, hein. La fin d'une rentrée régulière. Mais ça peut annoncer également un changement, une transformation positive. Donc, si vous étiez au chômage et que vous retrouvez ici un travail, forcément, il y a un changement positif dans le sens où vous allez avoir donc des revenus réguliers, un salaire qui tombe tous les mois. Donc, vous allez pouvoir ici reprendre vos finances en main, hein. D'ailleurs, avec la carte de l'étoile, on retrouve un équilibre dans la gestion financière, dans son budget également, hein. On garde espoir ici, hein. C'est une carte de chance. Donc la providence vient vous donner ici un petit coup de pouce pour améliorer votre situation matérielle et financière. Vous allez trouver les solutions ici pour résoudre les petites difficultés que vous traversez. En tout cas, vous retrouvez un équilibre et une sécurité matérielle et financière.
Et en plus, vous avez la carte de la grâce. Donc la grâce ici, elle vous parle bien sûr de providence. La providence, elle est là pour vous aider, de même que vous l'avez dans la carte de l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, vous êtes comme un chat, vous allez retomber sur vos pattes, ou alors vous allez trouver les solutions qu'il faut. Vous allez trouver l'aide qu'il vous faut. On va peut-être vous tendre la main, on va vous proposer un soutien, une aide en tout cas. Donc là, on retrouve l'équilibre, la sécurité, c'est la chance tout simplement, qui vient ici améliorer la situation matérielle et financière. Les espoirs sont comblés, Là, c'est pareil, Il y a vraiment un changement, une transformation positive. On peut dire qu'il y a un mieux, Une belle amélioration. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte de la grande prêtresse. Donc ici, on peut vous parler d'évolution spirituelle harmonieuse, La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a déjà un savoir. Elle naît déjà avec un savoir. Elle a déjà un acquis au niveau spirituel. Donc vous pouvez, vous, ce mois-ci, développer votre vie spirituelle. Vous pouvez vous sentir attiré par l'ésotérisme en général. Vous avez peut-être envie de développer ici, faire des formations, des stages pour travailler avec les énergies, comme le Reiki par exemple, vous voyez. Vous pouvez peut-être apprendre à travailler avec les huiles essentielles, par exemple avec l'aromathérapie, avec tout ce qui est lithothérapie, avec les pierres. On voit qu'elle a un livre sur ses genoux, donc il y a cette notion d'apprendre et de étudier. Et l'étoile correspond aux médecines douces, elle correspond à la nature. Alors développer ses dons en lien avec la nature. En tout cas, il y a une ouverture, on voit ici, le ciel est éclairé, Donc, il y a une ouverture sur une voie spirituelle. À vous de la trouver. Donc, après, au niveau de la santé, il peut y avoir une fatigue qui peut être ressentie. En tout cas, au niveau des énergies, ça devrait être régénéré avec la carte de l'étoile. Ça peut nous parler de guérison s'il y a eu quelques soucis de santé. Ça peut nous parler de convalescence bénéfique, une grossesse, peut-être vous êtes fatigué parce que c'est le tout début d'une grossesse. Ici, vos espoirs sont vraiment comblés. Donc prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, allongez-vous, détendez-vous. Détendez-vous en allant vous promener dans la nature, en lisant tout simplement, Ça peut être ça. Donc en tout cas, avec l'étoile, on va faire attention à sa santé, on fait attention à son corps également. On a une très bonne hygiène de vie, On fait attention à soi. Au niveau de la carte de Béline, il y a la carte des retards. Donc ici, s'il y avait quelques petits soucis de santé, il va falloir donc prendre le temps de se reposer. Alors ça peut vouloir dire ici que la convalescence va être longue, la guérison va être longue, mais il ne faut pas perdre espoir. Voilà, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. La guérison, elle n'est pas loin, elle est au bout. Sauf que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc soyez pas patient. Voilà, et prenez soin de vous en tout cas. Mais vous êtes en bonne voie. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. Donc ici, on vous parle de nutriments. Vous voyez, avec la carte de l'étoile, je vous disais, une bonne hygiène de vie. On va faire également attention à son alimentation, comment on se nourrit. Donc, la plante ici, qui est autour de cette jeune femme, c'est l'Asclépiade. L'Asclépiade favorise le soin de sa propre personne et encourage le nutriment salutaire. La pierre qui vous accompagne est la chrysoprase. C'est une pierre verte, en lien avec la nature justement. C'est une pierre qui apporte du nutriment et de l'énergie au corps physique. C'est tout ce que vous avez besoin.
Voilà, c'est une pierre vert clair. Moi, elle est un peu transparente, mais il y en a de différentes sortes. Il y en a qui sont un peu plus opaques. Donc, une pierre à garder sur vous, à manipuler, à garder dans la poche. Il est facile d'oublier de prendre soin de soi. Votre corps et votre âme coexistent. La santé de l'un influe sur la santé de l'autre. Lorsque vous prenez soin davantage de votre corps, y compris dormir suffisamment, votre âme aussi en est renforcée. L'asclépiade attire les papillons, symbole de la transformation. Prenez soin de vous et observez la transformation. Alors, c'est super. Alors, je pense que ça doit être une plante, ça doit être des petites fleurs roses qu'on voit, hein, puisque la pierre, c'est ce qu'on voit ici, c'est vert, et les petites fleurs roses. Alors, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle est en lien avec l'étoile. L'étoile, c'est voilà, c'est une jeune femme normalement qui est nue au bord de l'eau, qui se montre telle qu'elle est, hein, qu'elle accepte son corps tel qu'elle est, qui prend soin de soi, qui va prendre soin de sa santé et de son corps. Donc on fait attention à sa façon, on fait attention à son alimentation. On va ici être attentif à son hygiène de vie. Donc on va peut-être réduire la cigarette, diminuer l'alcool par exemple, si on aime sortir, faire la fête et tout ça. On va peut-être commencer un régime alimentaire, on va manger plus de légumes, on va se soigner avec les médecines douces, donc avec les plantes par exemple, comme des tisanes, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment un bon mois pour prendre soin de soi, d'autant plus si vous êtes sur le point d'être maman, hein, si vous êtes enceinte. Donc, en plus, elle est très belle cette carte, j'adore ce jeu. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant pour vous. Je vais la mettre comme ça que vous la voyez bien. On a aimé sans condition. Regardez comme elle est belle. Alors là, on a une petite fée. On vous dit d'aimer, bien sûr. Vous avez l'impératrice, vous avez la mère nature. Hein, c'est la maman. C'est la maman, c'est celle qui s'occupe de ses enfants, de son entourage, de sa famille, de son conjoint. Elle est maternelle, elle est affective, elle est d'une douceur, elle est, voilà, elle fait des câlins, elle fait des bisous. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis. Alors attendez, trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres, tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre. Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Voilà, donc on voit qu'avec ici la mère nature, l'impératrice et l'étoile, on aime sans condition. On donne beaucoup d'amour, on donne beaucoup d'attention à son entourage. On prend soin des autres. Mais là, on vous conseille de ne pas vous oublier, de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous également. Hein, vous faites partie du tout. Donc, aimez les autres, mais aimez-vous également. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me faire confiance, merci de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, merci de liker, de partager et puis de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite encore un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!